Bonsoir les hommes. Bonsoir. Mais surtout bonsoir les femmes. Donc j'insiste sur les femmes parce que les femmes, vous êtes les meilleurs êtres au monde. Ah, ça vous pouvez être fiers, les femmes, vous êtes douces, vous êtes sensibles, vous êtes sublimes. Vous avez raison de vous applaudir parce que sans vous, nous ne sommes rien. Et sans rien aussi, on ne vous a pas. C'est ce qu'on appelle une déclaration d'amour en humour. Ouais, normalement, je considère que tout homme doit faire une déclaration d'amour à sa copine selon son métier. C'est normal. Est-ce que vous avez déjà imaginé ce qui peut se passer? Imaginez les commentateurs de matchs de football faire des déclarations d'amour comme quand ils parlent à la télé. Imaginez-moi en tant que commentateur de match de football et je fais une déclaration d'amour à une fille et je marche avec mon consultant comme dans les matchs de football. Alors bonsoir mademoiselle, comment vous appelez? Je m'appelle Defunzu. Je vous ai aperçu à 2 km. Je vous assure que votre beauté ne m'a pas laissé indifférente, n'est-ce pas Hervé? Oui, monsieur Defunzu, vous avez parfaitement raison. Oui, Defunzu, vous avez parfaitement raison. Je trouve que cette fille est calibrée et son système synthétique, esthétique est susceptible de vous rendre fou. Vous avez raison, monsieur Hervé. Alors, mademoiselle, est-ce que vous pouvez me passer votre numéro de téléphone? Peut-être que je vais vous inviter à prendre un verre. Attention, elle hésite à donner le numéro de téléphone. Attention. Mesdames, messieurs, nous assistons à un revirement de situation. Elle est en train de demander mon numéro. Qu'est-ce que je fais? Je donne ou je ne donne pas, moi aussi j'hésite. Hervé, qu'est-ce que je fais? Attention, elle décide de me donner le numéro. 07 08 09 0. Quand je vous dis que c'est bien que chacun fasse une déclaration d'amour selon son métier, je sais de quoi je parle. Ça, c'est les commentateurs de matchs de football. Mais maintenant, est-ce que vous avez imaginé le missionnaire Gédéon de la Tchétchouva en train de faire une déclaration d'amour? Imaginons que c'est moi, Gédéon de la Tchétchouva, et je suis en train de faire une déclaration d'amour à Charlotte. Et vous savez que Gédéon la Tchétchouva ne se balade pas seul. Il est toujours avec quelqu'un qui lui donne sa serviette bagbo et qui lui lit les versets de sa Bible. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen! À pas les choses compliquées! Voilà. Charlotte! Charlotte, il faut me répondre parce que c'est ce qui te fatigue ici. L'autre jour, je t'ai dragué, Charlotte. Tu m'as dit, tu ne peux pas m'accepter parce que je suis vilain. Charlotte, est-ce que moi je t'ai dit que si c'était beau, c'est toi que j'allais draguer? Question! À bas les filles compliquées! Moi, je t'ai écrit. Je t'ai écrit des lettres, Charlotte. Alors, lis dans lettre manuscrite 2 au 10 octobre. Libreville, le 2 octobre. Oui. Chère Charlotte. Chère Charlotte. À chaque fois que je te regardais à la télé. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je mettais la télé pour regarder le Parlement du Rire, je ne voyais plus les autres, je voyais que toi, Charlotte. Ouais.
Je fantasmais sur toi. Justement, quand je voyais Charlotte, je ressentais des sensations. Je ressentais des émotions. Je ressentais des cris. Charlotte, normalement, une femme normalement constituée, quand tu as écouté la lettre que quelqu'un a écrite comme ça pour toi, qu'est-ce que tu fais? Tu acceptes? Oui. Charlotte, si malgré tout ce que j'ai dit, tu n'acceptes pas, tu as une attardée sexuelle. À bas les femmes compliquées. À bas les femmes mange-mille. Ton père qui est assis à côté de toi là, qui porte le chapeau, qui passe son temps à dire La dernière fois, je suis arrivé ici au portail. J'ai dit que je suis amoureux de toi. Il m'a dit que toi, tu ne peux pas être amoureuse de moi parce que mon visage, c'est la même chose que le visage des microbes. C'est ton père qui est la même chose. À part le papa jaloux. Ton oncle maternel qui est là à côté. À part le tonton jaloux. Ton oncle maternel qui est perché là-bas. Lui-là, je ne lui parle même pas. Ton maudit. D'ailleurs, j'ai perdu mon père qui m'en veut.